Aujourd'hui, j'ai ramené 100 enfants pour m'affronter au football. Et parmi eux, uniquement celui qui réussit à me battre remportera un cadeau. Ouais. Tout au long de cette vidéo, je vais affronter des enfants de plus en plus nombreux dans différents défis de football, allant d'un 1 contre 1 jusqu'à atteindre le but ultime, celui où j'affronte 100 enfants dans un match. Et pour le premier défi, l'un de ces 100 enfants va m'affronter en 1 contre 1 pour remporter cette magnifique motocross. Qui veut m'affronter ? Beaucoup veulent gagner cette motocross, mais je vais devoir en choisir qu'un seul pour m'affronter en 1 contre 1. Parmi ces 100 enfants, c'est Junaïd. Tu as quel âge et tu vas m'affronter aujourd'hui? 7 ans et demi. 7 ans et demi. Tu penses que tu vas me battre? Ouais. On va faire un contre 1 contre moi. Si il me gagne, tu remportes cette motocross. Et si tu perds, malheureusement pas de motocross, je repars avec, d'accord? Ça va uniquement un but. Tu marques là, tu marques là. Tiens, je te laisse le ballon. Allez, c'est parti. Pour ce premier défi, c'est dans un 1 contre 1 que j'ai affronté le premier enfant. Et je ne m'attendais pas à galérer autant dans cette petite zone. Ah, les gars, malheureusement, j'ai raté. Mais on va encore enchaîner jusqu'à qu'il y ait un but. Oh. Il m'a surpris pour son âge et a failli me mettre un but. Mais je ne pouvais pas perdre dès le début contre cet enfant de 7 ans et demi. Yes, les gars, j'ai marqué et je suis le gagnant pour ce 1v1. Après, c'est normal, Junaïd, il a que 7 ans et demi et moi je suis beaucoup beaucoup plus grand. Donc c'est pour ça que je l'ai battu. Mais tout au long de cette vidéo, il y aura de plus en plus d'enfants qui m'affronteront. Ils vont devenir de plus en plus nombreux et là ils vont réussir à peut-être me battre au long de cette vidéo. Pour ce deuxième défi, ce ne sera pas un duel mais ce sera un challenge de frappe. Et c'est Mini Crypto qui va tirer contre 5 gardiens. Tu penses vraiment que je vais perdre contre 5 enfants dans les cages? Avec ma frappe, je vais les tuer, les gars. Franchement, Mini Crypto, t'as pas intérêt à perdre parce que là, le gain à remporter, c'est une Nintendo Switch. Et il n'y en aura pas qu'une seule vu qu'il y a 5 gardiens, il y en aura 5. Oh là là. Oui, les gars, ils sont là, les 5 Switch. 5 Nintendo Switch, ça veut dire si je rate, ils gagnent les 5. Il suffit qu'un de ces 5 enfants gardiens arrête un seul tir pour faire remporter les 5 Nintendo Switch aux autres. Ok, donc je vais pas rater. J'ai marqué comme Ronaldo, les gars. Première frappe, 3, 2, 1, arrêtez-les. Aucun arrêt pour les gardiens. Il reste encore 2 essais pour qu'ils puissent repartir avec une Switch. 1 sur 1 réussi. Là, le prochain tir, dis-nous à la caméra où tu vas tirer. En haut à gauche, lucarne gauche. Moi, je pense que c'est raté. Mais faut que tu gagnes. Parce que là, si je perds les Switch, on est mort. Allez, c'est parti. Allez, let's go, les gars. Mini Crypto, deuxième tir. 3, 2, 1. C'est parti. Oh. Ouais, les gars, 2 sur 2, les gars. 2 sur 2. Ouais, 2 sur 2. Ouais. Il ne reste plus qu'une seule vie à l'équipe des gardiens. 5 gardiens, 5 Switch et Mini Crypto, il te reste un tir à marquer. Ok, c'est parti, let's go, je vais les tuer. Pour le suspense, je vais tenter une petite panenka. Panenka. T'es sérieux? Faut pas dire fort, mais il va tenter une panenka. Comme Zidane. Prêt, Mini Crypto? Je suis prêt, les gars. S'il n'arrête pas le prochain tir, Mini Crypto repartira avec les 5 Switch. C'est parti. 3, 2, 1. J'ai raté un panenka, les gars. Aïe, aïe. Oh, t'es trop nul. T'es trop nul. Là, les 5 Switch, ils vont vers nous. Oh, j'aurais aimé repartir avec. Oh là là. Les 5 gardiens ont remporté chacun une Switch. Qui c'est qui a arrêté le ballon pour savoir? C'est toi qui a arrêté le ballon. Félicitations. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, je voulais tenter une panenka à la Zidane. J'ai raté. Tu nous as fait perdre 5 Switch. Mais tant mieux parce que c'est les abonnés qui ont gagné la Switch. Donc, franchement, bien joué à tous. Vous êtes contents ou pas? Ouais. Vous allez jouer à quoi comme jeu? Fortnite. 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 Bien joué à tous. Magnifique. Vous avez tous gagné une Switch. Mais moi j'ai une question. Comment vous avez fait pour participer à cette vidéo? Abonné. Tout le monde est abonné. Oui. Et vous avez pas oublié quelque chose? Si. Likez. Vous l'avez compris, c'est toi qui vas être le prochain à participer dans cette vidéo. Il faut que tu sois abonné et que tu mettes un pouce bleu à cette vidéo. Si tu fais tout ça, c'est obligatoire, tu vas participer. Pour ce troisième défi, j'ai ramené 10 enfants. Et là, le but est d'affronter Zakos le Takos, oui. Bien évidemment. Ça va être un 1 contre 10. J'espère que tu vas gagner. Gros, regarde comment ils sont petits. C'est sûr que je vais les gagner, c'est sûr. Non, et là, je sais pas. Je suis plus grand qu'eux. Ils n'ont même pas 5 ans. C'est sûr que je vais les gagner. Ça va aller en 3 buts comme match. Je pensais que vous allez gagner combien? 3-0. Ils vont prendre un 3-0, oui. Si tu perds, c'est vraiment, vraiment, vraiment la honte. Les doigts dans le nez, je gagne, les gars. Pas intérêt de gagner parce que si tu perds, ces 10 enfants remporteront chacun un ballon de l'Euro 2024. Tout nouveau ballon. Ils sont incroyables en plus. Incroyable. Vous êtes prêts? Oui. Zakos, ouais. 10 enfants contre toi. Ballon à toi, c'est parti. C'est sûr, ballon à toi. On t'a mis un goal enfant, comme ça au moins au cas où. T'as besoin de faire gardien. Merci. Prêt? 3, 2, 1, début du match. C'est parti pour ce troisième défi qui opposera 10 enfants contre une seule personne, Zakos le Takos.
Oh là là, il s'est fait tacler. Ils sont trop chauds. Dès le début, Zakos a tenté des dribbles, mais la zone était vraiment étroite avec 10 enfants sur le terrain. Ils vont me tuer, je crois, ils vont me tuer. Puis un enfant est sorti de nulle part et a marqué un but masterclass. Mais c'est quoi cette chance, il a mis une lucarne. 1-0 pour les 10 enfants. C'est que de la chance, c'est que de la chance, je vais les froisser. Les enfants ont alors commencé à déployer leur vrai jeu et à jouer en passe. Et à partir de ce moment-là, c'était fini pour Zakos le Tacos. C'est trop dur, c'est trop dur. C'est impossible de passer du petit. Remontada, vous inquiétez pas. Mais Zach n'a pas abandonné et a réussi à remonter le score 2-1 grâce à un très bon tir de loin. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Et les enfants ont réussi à finir le match en marquant leur troisième but. C'est bon, vous avez triché. L'équipe des 10 enfants a vraiment gagné contre Zach. Je crois qu'il y a eu 3-0 ou 3-1. Non, Zach, il a réussi à marquer Zakos. Donc, vous avez battu Zakos et Tacos. Oh. Je vous avais dit un ballon, chacun? Oui. Allez, c'est parti. Et Zakos a essayé de m'arnaquer en s'infiltrant dans l'équipe des enfants pour avoir un ballon gratuit. Et moi? Toi, sors. Participer. T'as perdu, 3-1. Tu sors. Toi, t'as marqué ou pas? Non. C'est pas grave, t'as gagné. Tiens. On va emmener chez nous? Oui, là, c'est pour toi, c'est ton cadeau. Bien joué, mon pote. Et comme au dernier challenge, vous avez battu Zakos et Tacos en 1 contre 10. Pour ce quatrième challenge, j'ai ramené 20 tacos, 20 participants. Et si les 20 participants gagnent contre moi et Mini Crypto, vous remportez 20 tacos. Ouais! 2 contre 20, le but, nous gagner. Ça va pour ce match-ci en 2 buts. Et si vous gagnez, 20 tacos que pour vous. Ouais! Ouais! Ce troisième défi, le nombre d'enfants a encore augmenté. Et pour la première fois dans une vidéo, les 20 abonnés, ils ont eu un malus. C'était quoi le malus? Le malus, c'est qu'ils doivent garder un cache-œil en jouant au football. Donc 2 contre 20, normalement on gagne. Après, c'est normal contre Zakos et Tacos, ils l'ont vraiment tué, ils l'ont terminé. Ils sont bons, ils sont bons. Ils sont vraiment forts, ils sont vraiment forts. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, go! Triplé, triplé! Les gars, ils sont chauds, même avec les yeux bandés, ils sont vraiment vraiment chauds. Allez, allez, triple. Avec Mini Crypto, on a bien joué et c'était vraiment trop facile de passer des enfants qui ne voient absolument rien. On a marqué le premier but alors qu'ils avaient les yeux bandés. C'est trop dur ou pas, les gars? Ouais. Moi, ce que je propose, c'est que j'ai confiance en moi, même s'il y a des tacos à gagner, de dire que on vous enlève tous au bandeau, on va quand même gagner. Allez. Oh, je sais pas comment on va faire. On est 2 contre 20, on a même pas de gardien. Moi, je te dis, on fait une technique. C'est quoi? Tu montes en pointe, en pointe. Moi, je reste comme si j'étais un gardien. Okay. J'ai dans les cages, t'envoies un ballon. Je mets un ciseau alors. Tu montes, tu mets une retourne acrobatique. Ok, vas-y, let's go, on fait ça. Vas-y. C'est parti. Il y a 1-0, mais on va te rattraper. C'est nul, putain. Oh là là, il m'a tué. Ok, ok, ok. Vas-y. Franchement, bien tenté. Mais vous inquiétez pas, la défense elle est là. Les gars, on déballe la tactique. 3, 2, 1. Juste après, 2-0 pour Mini Crypto et moi. Le match était déjà plié. Ouais, la technique, les gars, on vous a dit. Même 20, même 50, même 100, on les tue. Bien joué, les gars. Quand Mini Crypto n'a pas touché, je pense qu'il a touché la tête. Les gars, le gars, il a voulu me pousser. Il s'est raté. Il s'est même raté. Je crois qu'il nous reste un but et on a gagné. Viens, Marcus. Franchement, 20, on comprend que c'est vraiment compliqué là. La passe. Mais on n'avait pas vu venir la remontada qu'allait faire l'équipe des 20 enfants. Vraiment fort. On les a sous-estimés. Ouais, ça fait chier là. On va se rattraper. Moi, je veux partir avec les tacos, donc on va se bouger, aller. Oh, tu mets tacos? Ouais, je mets tacos. On est les plus forts. Aïe, aïe. Ouais, joue, joue. Ah, allez, on dirait des zombies qui m'attaquent, c'est une dinguerie. Je suis comme Mike.
mignon, les gars. Puis deux partout grâce à un but d'un mini fan de Ronaldo. On va vraiment rien manger. On va vraiment rien manger, les gars. Là, il y a 20 tacos. Oh là là. Soit c'est 10 tacos, 10 tacos, soit c'est rien. Yannis, ça va ? Ils ont même réussi à nous battre en faisant une remontada et en marquant leur troisième but. Les 20 participants ont réussi à nous battre. Franchement, il y a eu 3-2, c'était vraiment de peu. Et comme récompense, 20 tacos distribués par Zakos, le tacos. Anas, comment t'as fait pour gagner ce match face à Mini Crypto et Crypto ? On fait juste des passes. Juste en faisant des passes, on vous avez gagné Crypto. On fait des passes, on avance et on tire. Vous êtes trop fort. C'est la meilleure tactique. T'es content d'avoir gagné un tacos là ? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Bah, viens manger ça. Eh oui, tiens ton tacos, Anas. Tiens ton tacos, Abdelali. C'est parti. Tiens ton tacos. Distribué par tacos, les gars. Tiens ton tacos. J'avais envie de manger des tacos là. J'ai la haine, Et on fait le dernier tacos. Tiens ton tacos. Y'en a plus. Si t'as perdu avec Mini Crypto contre 20 abonnés, comment tu vas faire seul face à 100 enfants pour le challenge final? Te dis, le challenge final, il va être vraiment explosif. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir moi contre 100 enfants. Et je peux te dire que je vais gagner, c'est sûr. Dinguerie. Vous voyez ces 50 abonnés derrière nous? Ils vont tous nous affronter. Dans un vrai match de foot, les gars. Dans un vrai match de foot. Et là, je peux vous dire quelque chose. S'ils gagnent, ils gagnent 50 Powerhead. Par contre, si on gagne, c'est nous à bord tous ces Powerhead. Là, c'est soit nous on gagne, soit les 50 enfants derrière nous gagnent. Un vrai match 3 contre 50. T'es chaud? Ça va être très très dur. Ah, ils ont trop gagné, ils ont tout gagné toute l'après-midi. Maintenant, c'est à nous de gagner. On va tout donner pour gagner, c'est tout. C'est quoi votre tactique pour gagner là? Collectif et on fait des passes entre nous. Ah, vous pensez que vous allez gagner à 50 contre 50? Ouais. Les 50 petits sont prêts. Les gars, il faut une tactique. Comment gagner contre 50 enfants qui sont surexcités et qui vont tout simplement nous déchirer? Il nous faut des postes. Je vous explique. Première tactique, tu prends le ballon tout seul. Ouais. Tu fais le tour du stade à fond, ils vont tous être sur toi. Tu me centres, je mets la tête, je marque. Mais tout seul, on a essayé cette tactique, ça marche et pas. Ouais, vous avez là, perdu. Pourquoi? Il y a plus d'espace. Mais ça marche pas comme ça. Les enfants, je t'explique qu'est-ce qui se passe. Ils vont te coller. Ouais. Donc après, ils te collent, tu peux pas tirer. Et c'est quoi la tactique qu'on devrait faire, Crypto? Courir le plus vite possible. Okay. C'est quoi la composition de notre équipe? Moi, je vais en défense. Moi, je vais au milieu et toi, tu vas en attaque. Centre-moi, je suis grand, je mets la tête, je marque. Exactement. Moi, retourne acrobatique. Ronaldo, les gars, c'est obligé. Moi, je suis comme Messi, je distribue les ballons et je marque. Et moi, je suis comme Van Dijk, personne ne me passera. On va voir tout de suite, les gars, ça c'est parti. On commence. Les 50 petits, ils vont nous tuer. C'est parti. Le match a débuté et la vague de 50 enfants a directement foncé sur nous. Voir 50 enfants qui courent à toute vitesse avec une seule envie, reprendre le ballon, ça fait vraiment stresser. Au début, on a réussi quelques passes avec Mini Crypto et ça a bien fonctionné. Mais les enfants étaient tellement nombreux qu'on n'a pas réussi à tirer. Allez, il m'a attaqué, je m'attendais pas à ça. Zach nous a impressionnés en faisant une accélération à la Kylian Mbappé et en dépassant tous les enfants. Mais la finition, c'était pas trop ça. Il y avait toujours 0-0 et c'était déjà le match le plus difficile de notre vie. On était tous épuisés et l'équipe des enfants était en pleine forme. Les 50 enfants ont failli marquer, mais Mini Crypto a réussi à redescendre très très vite pour sauver notre équipe. Heureusement, je suis défenseur, les gars, je l'ai arrêté, je suis un monstre. Les gars, je fais une giga touche comme dans FIFA, je vais envoyer la touche bien loin. C'était vraiment très chaud, on n'arrivait plus à attaquer et les enfants nous ont fait une contre-attaque. Un enfant a réussi à prendre le ballon et à se diriger vers nos buts à toute vitesse. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le rattraper, mais il courait vraiment trop vite. Et on a à peine eu le temps de retenter une nouvelle action que l'équipe des 50 enfants nous ont marqué le deuxième but. C'était une humiliation. C'est impossible de marquer contre 50. La tactique, c'est de tirer de loin. Parce que les gardiens sont souvent petits. On met une lucarne, c'est fini. Là, il y a que ça à faire. Tirer de loin. Moi, je vais faire un lob. Mais je vais pas tirer fort parce que c'est des enfants. Pas tirer fort. Comme le disait Kylian Mbappé, tu parles pas d'âge. Allez, let's go, allez. Alors, on s'est repris en main et j'ai tenté une frappe à la Cristiano Ronaldo de plus de 25 mètres. C'est passé juste au-dessus des buts. Dommage. À ça, les gars, ça, c'est passé. Ce match contre 50 enfants, c'était comme affronter une armée entière. Les enfants ont fait une tactique qui est de protéger celui qui a le ballon pour pas qu'on puisse le reprendre. Et ça avait vraiment l'air de fonctionner. Oui, quartier. Vous savez très bien mon talent en tant que coup franc. Je vais marquer, je vous le dis de suite. 3, 2, 1.
Fallait juste que je cadre, sinon c'était but. Non, il n'y aurait pas but. Dans tous les cas, il n'y aurait pas but, non. Les gars, c'est la galère. Je suis mort. Ça se voit à mes yeux, je suis mort, les gars. Je crois le match à 50, il nous a tués. Et parmi ces enfants, il y avait des cracks du foot. Comme cet enfant qui a mis une feinte incroyable à Zakos. Ou encore ce défenseur qui m'a rattrapé et qui m'a fait un tacle parfait, sans faute, à la Sergio Ramos. Oh, trop chaud. Ah, les gars, ils sont trop forts, on les a sous-estimés. Là, c'est sûr, on va gagner. Dommage, malheureusement les gars, Zakos le tacos, à la tête c'est pas son point fort. Les gars, vous avez gagné 2-0, c'est la dernière action, là vous avez gagné. Alors pendant que Mini Crypto, Zakos et moi ont repris notre souffle, les 50 enfants qui nous ont gagnés ont pu prendre leur bouteille de Powerade et se régaler. Après avoir affronté 1, puis 10, puis 20, puis 50 enfants, j'arrivais à mon défi final. Le dernier challenge, c'est 100 enfants. Ils sont prêts à venir me finir. Ça va en un but, but en or contre 100 enfants. Même des professionnels ont raté contre 100 enfants. Alors moi, c'est le moment. 3, 2, 1... Et sans attendre, le match le plus dur de ma vie a commencé. Alors j'ai directement suivi mon instinct qui m'a dit de courir le plus vite possible vers les cages. Je pensais qu'en tant que grand, j'allais être plus rapide que les enfants. Sauf que j'allais pas assez vite pour contourner 100 enfants d'un coup. Alors j'ai dû faire un demi-tour. J'ai renvoyé le ballon au gardien pour gagner du temps. Mais devoir jouer tout seul sur un vrai terrain, c'est très compliqué. Je suis mort. À peine 5 minutes de jeu et j'arrivais déjà plus à courir tellement le terrain était énorme. En revanche, tous les enfants étaient en pleine forme de leur côté. Ce match a pu me faire réaliser que tout seul, on ne peut pas arriver à grand chose et qu'une grande équipe, c'est toujours mieux. Et une fois qu'ils m'avaient tous épuisé, ils ont fait une super action collective avec un magnifique centre et une reprise de volée. C'était la victoire de l'équipe des 100 enfants. Les gars, ils m'ont déchiré. C'était beaucoup trop compliqué. C'est le pire défi. Je suis mort. Si tu as aimé me voir souffrir en affrontant ces 100 enfants, alors tu dois regarder la vidéo où je vais offrir plus de 5 000 euros de cadeaux à des abonnés en cliquant en haut à droite. Clique ici, sinon tu vas regretter.